Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Dying Light 2. Alors ceci est un jeu qui vient tout juste de sortir et en ce moment je suis en train de jouer sur la PS5, c'est super génial. Alors ceci est un jeu que j'attendais depuis longtemps parce que j'ai joué au premier jeu de la série en 2015. C'était magnifico. En tout cas, on commence une nouvelle partie et on va jouer en mode normal. Je veux pas que ce soit trop facile ni trop difficile. Alors là, je me rappelle la première fois que j'ai vu la cinématique d'ouverture de Dying Light 1 là, c'était crazy. Run boy run, il faut que tu t'enfuis. Run boy run, les zombies y arrivent. Run boy run, arrête donc de niaiser. Ouais, comme c'était tellement nice la musique avec la cinématique. On court. Anyway, on joue à Dying Light 2. Et là, ceci est un jeu que je sais pas si je vais jouer au complet, mais on verra. 2036. C'est sûr que je vais finir le jeu, mais en vidéo, je sais pas, tout dépend de si vous aimez ça. 15 ans après la chute. Donc 15 ans après Dying Light 1. Comprendo, amigo. Oh mon dieu! Yo, ne me dites pas que je suis déjà dans le jeu et que... Au revoir, bande de fous furieux! Waouh! L'endroit est beau, oui! Tu l'as toujours en toi! Ce jeu était plus drôle avant! T'étais plus jeune aussi! Et plus bête! Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide! Parce qu'un pèlerin mort, un pèlerin mort, je sais! Monte ici, je vais te montrer un truc! Alors ce jeu est tellement génial, il y a une tonne de zombies, ça fait peur et en plus, on peut faire du parcours comme un fou. Attendez, je sais pas si je peux le faire ici. Non, ok, je peux pas encore faire de parcours comme ça là, mais bon. Donc, appuyez sur R1 pour sauter. Ouais, les boutons, je vous dis, sont bizarres dans ce jeu, man. Mais bon, donc, ok, si je suis sur un rebord, je peux grimper, évidemment. J'ai de l'expérience, moi, bro, let's go. Je m'appelle Aiden. Je suis pas le même héros que dans le premier jeu là, mais bon. Merde, mec! T'es encore fort! Tu l'as dit, Bouffy. Alors, quoi, il faut que je passe par là, ensuite? Ok. Wouppalaï! Wacha! Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop longtemps. Mais ne deviens pas trop sentimental. Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors que toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours en vie? Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ouais. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour Jane? On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route? Par Baines ou Gary? Baines, quel trou perdu. Il reste 5 huttes branlantes et une clôture délabrée. Ok, alright. Regarde, Aiden. Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? Oh, t'as raison. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Ouais, mais moi, je veux le miel. Comme ça, je peux mariner ma viande. Hein. Wow, yo. Vous voulez que je fonce là-dedans? Maintenez R3 pour utiliser votre instinct de survie. Ah, attendez une seconde. Donc, il faut que j'aille là, mais aussi, attendez, là-bas, parce qu'il y a encore plus de miel. Fouillez! Attends, j'ai pris des abeilles. Vous savez ça? J'ai pas pris le miel, j'ai pris des abeilles. Ok, attendez. Oh, nice! Donc, il me faut de la camomille, qui est juste ici. Voilà. Et un peu ici. Whoop. Attendez une seconde. Magique! Ça fera l'affaire. Yo, je me demande, j'ai quel âge? C'est l'herboriste que nous avons escorté jusqu'à son village? Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. Yo, écoutez ma voix, on dirait que j'ai comme 20 quelques ans. J'ai grandi avec les zombies ou quoi?
Objectif mis à jour, vous avez reçu un nouveau plan, appuyez sur temps et ouvrez le menu fabrication. Ouais, dans ce jeu, on peut, comme modifier notre personnage à fond, vous allez voir, ça va être fou. Vous avez reçu votre premier plan, il s'agit d'une recette qui vous permet de fabriquer des objets, des consommables et des modifications d'armes à partir de pièces de fabrication récupérées lors des explorations. Oh oui, évidemment, les armes, on peut les customiser comme un fou. C'est ici que sont stockées toutes les pièces de fabrication que vous avez récupérées. Lisez la description des pièces de fabrication pour savoir comment les utiliser et où les trouver. Donc, attendez, on va faire continuer. Maintenant, survolez le plan de médicaments et maintenez X enfoncé pour le fabriquer. Ok, donc ça c'est le plan de médicaments. On va maintenir X. Merci, j'ai déjà un trophée. Donc, médicaments consommables peu communs, niveau d'amélioration, ok. Bombe naturelle qui soigne vos blessures. Valeur de soins, 50. Temps d'application, 4 secondes. Quantité produite, 1. Alright. Donc, ces trucs-là, bon, j'ai pas besoin de lire les descriptions. C'est juste pour faire des confections et tout, là. Mais regardez ça. Compétences. Wow! Tellement de compétences à gauche, à droite, en rebord. Regardez, c'est crazy, bro. Donc, objet ramassable. On va regarder un peu le menu vite fait, bien fait. Équipement. Oh! Oh, je peux changer mes armures comme ça? Oh, ok, alright, d'accord. Journal, je peux pas ouvrir la carte, il y a le menu des astuces. Complendo! Allez, on y est presque. Yes! Yo, vous devriez pas courir comme ça, vous gaspillez de l'énergie pour aucune raison. C'est quoi la barre en haut à gauche, c'est tout rouge? Oh! Regardez, ah, tu vas me booster? On y est. Allez. Tu devrais peut-être te dépêcher, frère, hein? Laisse-moi passer, bro! Yo, referme ça avant que les zombies arrivent! Oh non? Ok, alright. Yo. Wow. Belle maison, dis donc. Yeah, j'ai même pas payé pour ça. Plus besoin d'aller chercher un emprunt à la banque. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Pour être endetté toute notre vie et payer une maison, hein. Donc, fouillez la maison. J'ai comme entendu de quoi, man? Dans la zone de quête. Je suis dans la zone de quête, mais... Oh, oh, oh! Est-ce que vous êtes prêts, les potos, bro? J'ai rien pour me défendre. Attends. Ok, c'est comme ça que je fais des punches. Voilà. Ok, maintenez R3 pour utiliser votre instinct de survie. Ah! Ok, ouais, évidemment. Si je veux poigner des items, c'est ce qu'il faut faire, ici. Hein? Y'a rien ici. Pas de zombies qui veulent ma peau? Je suis prêt à appuyer sur R2. Oh. Ouais, des rats. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Non! Pourquoi? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Pladin? Je m'inquiète pour toi, c'est toi qui vas crever, man! Hey, what the hell? Pourquoi dans les jeux vidéo et tout ça? Les gens adorent se séparer lorsqu'il y a comme un gros malheur, un gros malaise qui se passe dans le monde là, comme yo, il y a une tonne de zombies ici, comme par-ci par-là. Brother! 5 years later, who remembers Haran? Oh, c'est là où on était dans le premier jeu. Oh yeah, article de journal. D'accord, j'ai compris. Et là, qu'est-ce que je peux avoir ici? Eh, c'était tout rouge! Une fête. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Ouais, mais vous savez, depuis la pandémie, là, je vais vous dire quelque chose, il n'y a plus de logique. Vous savez, dans les films d'horreur et tout, on disait toujours « Ah, pourquoi tel personnage fait ci? Pourquoi tel personnage fait ça? » Là, avec la pandémie, je peux voir que, ouais, il y a des gens qui feraient vraiment des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas. Donc, cigarette. Voilà. Yo, moi, je sors de là, bro. Yo, my boy. Attends, utilisez. Ok, il faut que je continue à fouiller les affaires, c'est ça? Ok, quand c'est rouge... Tu fais du voodoo. Ça me dit quelque chose. C'est là où ce qu'il faut que je me dirige pour... les quêtes, là. Ben, la quête principale ou quelque chose comme ça. C'est comme mon objectif. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque.
Moi, je bois juste du 7-Up et tout, je suis pas alcoolique, là. Ben, c'est pas une question d'alcoolique ou pas, là, mais plutôt, je bois juste pas d'alcool, tout court. Moi, je préfère l'eau, le 7-Up, et c'est Tignuto. Nada. Que dalle. Alright. Hey, est-ce que vous utilisez que dalle en France? Et c'est quoi ça? Pourquoi je peux juste l'observer ou quoi? Attends, c'est quoi? Masquer la zone? Que dalle, on utilise souvent ça au Québec, alors je sais pas si ça c'est la version québécoise du jeu ou la version française, mais bon. Et c'est ça qu'ils appelaient de l'art? Ah, yo, t'as rien vu mon frère, hein? Tranquille. Voilà. Fouillé. Yo, j'ai pas une tonne de trucs, je sais même pas quoi faire avec ces trucs-là, man. C'est des trucs pour confectionner des items par-ci par-là, là, mais bon. Hey yo, brother! Le dude, il m'a poussé comme un fou, man! Hey, bro! Ok, thank you. Je suis en train de fouiller la maison à longueur de journée, mais... Ah! Oh! Lui, il a pas bien mangé, ça se voit. Allez, va-t'en. Laisse-moi lire ce qui est écrit. Sorry, Dave. Goodbye. Oh, désolé, Dave. Au revoir. Ça me brise le cœur. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leurs propres termes. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Waouh! Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok? Ok. I got you, boss! Et c'est là que je vais me faire détruire. Yo, je suis en train de fouiller la maison, mais on me dit pas ce que je dois fouiller. Ok, explorer le jardin, je le sais très bien, mais... Ici, y a-t-il de quoi? Rien du tout. Waouh, yo! Ils ont vécu en termes de bourgeois. Oh, ils ont eu une belle vie en tout cas, hein? Peut-être. Oh, attends, il y avait quelque chose ici. Elle avait de la classe. Yes! Là, il y avait quelque chose ici? Ok, je suis obligé de faire mon instinct de survie pour pouvoir analyser les trucs autour de moi. J'ai essayé de le faire sans l'instinct de survie, mais bon. Au moins, ils étaient ensemble. Les sous-titres et les voix, ouais, il faudrait arranger ça, c'est pas du tout la même chose, hein. Ok, là-bas. Waouh, ok, non, ils ont vraiment vécu comme des boss, hein. Je comprends pourquoi ils sont morts, ils sont trop nombreux, il y a pas assez de bouffe pour tout le monde. C'est écrit quoi? Très cher Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Oh. Aiden, viens, regarde ça. Ah, c'est pour avoir une belle vue. Lui, il jouait du DJ jusqu'à la fin. Ou il jouait à Fortnite, c'est l'un des deux. Mais bon, il y avait quelque chose d'autre à aller prendre. Même deux autres trucs, là. C'était à l'intérieur, ici. Ouais, mais comment je vais à l'intérieur, là-bas? Mais, attendez. Pah! Non, ok, attendez une seconde. Je vais juste voir ici s'il y a de quoi. Bon, je suis obligé de passer par là. Mais je peux pas vraiment aller à l'intérieur, hein. Ah! Yeah, whatever. Comment vas-tu, frère? Assieds-toi, mon pote. Assieds-toi, mec. Tiens. Un cadeau? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile? Tiens. C'est périmé, mon frère. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui? Peu importe. What? Crane?
C'est le personnage de Dying Light 1. J'ai traqué ce type pour toi. Attends, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, quel gars? Quoi? Quel gars? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Ok, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Quoi? Et tu me le dis que maintenant? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type, alors? Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Il s'appelle Pepito. Tu vois l'antenne sur la colline? Elle t'aidera à contacter le gars. Il vous écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Oh, pour vrai, les voix et les sous-titres, là, ça va pas très bien. Ça... Tu sais ce qu'il veut en retour? Je vais aller directement en ville. Qu'est-ce qu'il veut en retour? Il l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je crois pas que ce genre de gars existe. Quoi? Et moi, alors? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Elle est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison, on y vivra, personne ne nous chassera, et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je vois ça. Pourquoi t'as construit une maison quand il y en a partout? Juste rénove cette maison. Oh non. Ah, ok. Et ce Walt, c'est quoi son problème? Il est de ta famille? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches? Tu vas me le dire un jour? Ouais. Un jour, peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois, hein? Dans 2 ans? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt, ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi, 140.200 MHz, à l'aube, le gars t'attend. Merci pour ce tuyau, mon frère. Et ouais, j'ai vu quelque chose voler. What the hell, what's that? Est-ce que vous avez vu ça? Ok, alright. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aller là-bas, aller à la station radio. No problemo, amigo. Est-ce que je peux m'accroupir? Ah, ok. Ah, attends. Ah, je voulais glisser. Il y a sûrement une compétence qui me permet de glisser ou quelque chose, man. Mais bon, allez, ouvrir. Let's go. Pourquoi on doit se séparer comme ça quand il y a une horde de zombies qui veut notre peau? Maintenant, t'es enfoncé pour que c'était votre objectif actuel sur l'ATH étendu? Oh, là-bas, attendez, laissez-moi faire quelque chose. Je peux pas voir la carte pour vrai, mais là j'ai obtenu une tonne de trucs. Donnez-moi une seconde, on dirait que... Ah, je peux voir 18 dégâts, résistance, tatati, tatata. Ici, c'est quoi ça? Sac à dos d'hiver. Bon, j'ai obtenu une tonne de trucs là, je sais même pas quoi faire avec pour vrai. Attendez. J'appuie sur le truc de la TH, mais ça ne marche pas trop. Alors, vous savez quoi? On va descendre tranquille, relaxo, amigo. Yo, est-ce que je peux descendre ici sans me péter les jambes? Attends, tranquille. Oh, comme un boss, bro! Je saute dans l'eau et ensuite je vais là-bas. Ok. YOLO, amigo! Utilise E pour nager, plonger, remonter. Ok.
pour remonter, c'est comme ça. Et pour nager, c'est comme ça. D'accord, perfecto. Allez, je suis prêt à me battre. Il y a sûrement un zombie qui se retrouve là-dedans, man. Let's go. Pour l'instant, l'introduction, je vais vous dire, c'est assez paisible. Mais c'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Au début, c'est tranquille, relax, et à la fin, ça fait... Est-ce que vous avez entendu? Ah, mais ça a pas effectué une attaque rapide. Attends, petit mordeur. Oh, attends, est-ce que vous avez... Oh! Oh, ça! Et un peu fort! Fouillez, voilà. Au début... Attends, tout vite. Yo, j'ai pas comme une lampe torche. Laissez-moi, j'appuie sur tous les boutons. Oh, si j'appuie sur triangle, je peux faire 180 degrés. Fallait le dire, c'est vrai. Oh, je peux même bloquer comme ça. D'accord, je suis en train de regarder les boutons du jeu, guys. Ma bonne! T'es juste de niveau 1, man! Il faut que tu manges plus de panneaux pour le blanc, mon frère! Oh, my! Allez, viens ici, mon bébé. Oh. J'ai cru qu'il y avait quelque chose là-dedans, ça m'a fait tellement peur. La ferraille, dans le premier jeu, était très importante. Alors, j'assume que c'est la même chose ici. Attends, merci, je suis en train de tout prendre. Ici, il y a quoi? Canette? Il y a quelque chose de vert là-bas. Mais avant tout, je peux pas passer par là. Et voilà. On va ramasser ça. C'était quoi le truc vert? Oh, ça. Attendez. Voilà, de l'alcool. Là, le doute. Attendez. Est-ce que je peux faire une attaque furtive? Non! Watch out! Méchant! Voilà! Vous avez vu comment il s'est envolé, le doute? Attendez, il y avait ça. Attends, est-ce que je peux faire un dropkick? Oh! Attendez. Ah, ok, non, non, non. Parce que dans le premier jeu, on peut faire un dropkick. J'ai une nouvelle arme. Thank you, thank you. Bon, maintenant, désolé, désolé. Faut aller là-bas. Ok, c'est à 48 mètres. On est bientôt arrivé à destination. C'est fun. Le jeu est super fun. Vous allez voir dans le futur, là, ça va être très intense. My boy! Retourne, dodo! Va te noyer! Hey, est-ce que ces bonhommes peuvent respirer dans l'eau? J'ai vraiment aucune idée. Et là, c'est pas des items, ça? Attends, oh, ça, c'est un item, peut-être? Nope, very no. Ah, oh, what the hell? Yo, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Oh, ok, ok, ok! Faut que je fasse du parcours? Ah, oh, ben non. Attends, ici? Attends, regardez, attends. Oh, voilà, voilà. On m'a dit de faire ça comme ça. Et... Vous n'êtes pas sérieux, guys. Ce jeu est rempli de parcours, vous allez voir. Attends. Ouja! Whoop! Whoop! Y a pas de zombies qui veulent ma peau? Nice! Ok, attendez, je suis bientôt arrivé à destination, hein? Ah, oh, my bad, my bad. Est-ce que je vais là-dedans? J'ai comment entendu... J'avais entendu quelque chose. Ah ouais, c'est moi? Oh, c'était moi-même. J'avais pas pendant l'instant. Wucha! Attends, il y en avait un ici aussi. Oh! Ne vous approchez pas des mordeurs pour pas les réveiller. Yo, moi ça me tente de les réveiller. Moi je vais les tuer, voyons donc. Gros problème, oh. Il y en a un petit peu trop. Yo, boys! Jasker, oh my god, j'espère que ma patte de baseball... Attends, j'ai plus rien, j'ai plus rien, comment dire. Oh, on est bougé. Yo, ça va prendre 10 ans pour les tuer, hein. Une chose que je sais qu'il y a personne derrière moi et je peux passer par là. Oh! Méchant. Non, mais pour vrai, si j'avais un gun, là, il serait dead en ce moment. Je sais pas si je peux faire d'attaque puissante, attendez. J'ai gardé le bouton R2 pour essayer de faire une attaque puissante. Il n'y a rien qui s'est passé malheureusement. Mais bon, encore un. Encore deux plutôt. Oh my god, yo, double hit. J'ai tellement hâte de pouvoir faire un drop kick comme tu sautes et que tu kicks la face des zombies, c'est tellement drôle. Je sais pas si ça peut se passer dans ce jeu là, mais selon moi, oui. Wouh, alright. On a tué tout le monde. Laissez-moi voir quelque chose. Avez-vous des trucs pour moi? Oh, du cash. Mais qu'est-ce que ce bonhomme fait avec du cash? Brother! Et avoir su qu'il y avait autant de bonhommes comme ça, j'allais pas les réveiller pour être honnête avec vous. Parce que là, la durabilité de mon arme là, ça va se faire capoter bientôt, je pense. Voilà!
Au moins, il y a de la ferraille. Bon! Quoi? Mon Dieu! Oh boy! Ok, vous savez quoi? Je devrais peut-être juste courir, hein? Y'a pas d'étape passée par là? Quoi? YOLO! J'en ai pas peur! Bonjour! Ok, avant ce qu'il y allait avoir. Oh my god, yo, yo. Je peux pas passer! Oh, ce gars-là, là, il m'a empêché de passer pendant un instant, le maudit man! On va faire ça comme ça. Wow. Ok, on va passer par là. Je sais pas ce qui a installé ces trucs, mais merci, bon Dieu! What the hell? Ok, non, ça c'est bizarre. Il faut que je fasse un saut de fou, c'est ça? Oh, je peux le faire! Alright! Là, on va aller ici. Je voudrais bien ouvrir la carte pour savoir où je suis en ce moment, là, mais bon. Oh, du miel! Non, ça va être bon pour le futur, je pense. Oh. Est-ce que vous êtes sérieux? Wow! Oh, comme un pas! J'étais un passe pendant 5 secondes, voyons donc! Attends, oh! Ah ben oui, regardez! Oh my! Ouh, jolie map que je vais jamais me servir. Faut aller en haut encore. Yo, y'a tellement de trucs à faire dans ce jeu dans le futur, ne vous en faites pas. Pour l'instant, ça a l'air vide. Mais je sais pas pourquoi. Mais bon, je préférais l'intro de Dying Light 1 pour être honnête avec vous. Attends. Là, il faut aller où? Yo, je sais même pas si je me dirige comme sur le bon chemin. Oui, en ce moment, on dirait que je me dirige sur le bon chemin, mais imaginez que je suis en train de m'éloigner. Oh, 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 est-ce que vous avez vu? Tombe à terre! Méchant! Attends, oh, je peux faire un coup de pied pour vrai? Attends, appuyez sur 1 plus R2. Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Parce que c'est ça le coup de pied? Hop, j'ai vraiment aucune idée, les amis, man. Est-ce que je peux courir? Est-ce que vous avez entendu? Wouh! Wouh! Ok, ça c'est comme la partie tutoriel pour me montrer comment faire du parcours. Parcours niveau supérieur. Alright! Donc, vous avez une nouvelle compétence de parcours. Appuyez sur T et ouvrez le menu des compétences. Voilà. Donc. Vous avez amélioré votre maîtrise de parcours et obtenu votre premier point de compétence de parcours. Vous pouvez à présent l'utiliser pour débloquer votre première compétence de parcours. Ok, donc qu'est-ce que je vais choisir? Le saut vertical vous permet de sauter plus haut et d'atteindre des rebords plus élevés. J'avais besoin de ça tout à l'heure, mon frère. Donc maintenez R1 enfoncé pour sauter plus haut. Ok, on va voir c'est quoi la différence tout de suite. Donc, ça c'est normal. Oh. J'y suis presque. Wow, ok. Ah, je peux voir que je saute un petit peu plus haut si je maintiens le bouton. Yo, c'est bientôt la nuit! Yo, dépêche-toi! Le truc, c'est que la nuit, là, il y a des gros bonhommes de fou qui peuvent me chasser. Ah, oh, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. T'es là, dit Bouffy. Attends, on va ramasser ça? Ah, je suis obligé d'aller là. Je peux pas ouvrir la porte. Ne me dites pas que je dois faire du parcours. Sautez sur une gouttière pour vous y accrocher. Appuyez sur 1 pour l'escalader. Mais avant tout... Oh, ok, ces trucs sont à l'intérieur. D'accord, d'accord. Vous savez ce qui est cool de ce jeu? Plus tard, toutes mes décisions auront une incidence sur le jeu. Comme si je fais des trucs stupides, eh bien, il y a des trucs stupides qui vont se passer dans le monde. Dans ce genre-là. Mais bon, toutes mes décisions comptent. La diffusion devrait être quelque part par là. Attendez, fouillez. Oh, si j'ai sorti mon bâton, vous savez ce que ça veut dire. Fouiller. Y'a quelqu'un là-dedans. Ça se voit, les poteaux. What the hell? Ok, essayons. Attends, 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 attends. J'ai même pas regardé les autres trucs. Oh my god. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait là-dedans tout d'abord. Et là, ok, ça sert à rien d'examiner ça maintenant. Ah, j'ai compris, mais avant tout, laissez-moi voir qu'est-ce qu'il y a ici. Faut prendre toutes les ressources qu'on peut. Alors, inventaire. Yo.
18 dégâts, 61 de résistance. Ah là 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 là. Ok, c'est bon. Si je vais ici, qu'est-ce qui se passe? Y'a rien qui se passe? Je peux jouer au parcours, je pense? Même pas. Ok, alright. Je crois que je dois utiliser cet endroit pour m'enfuir après. Mais ça, y'a vraiment pas quelque chose que je puisse faire ici. C'est ça. La station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Ok. Merci pour ce poids. Pourquoi je suis en train de prendre un poids quand je dois faire du parcours partout? Pelle cassée. D'accord. Donc, allumez le courant. Vous avez comme entendu? Regardez. Oh! Je me suis pété deux jambes, mais c'est correct. Allumez le courant dans le bâtiment. Oh putain! Mais j'étais là tout à l'heure! Yo, pas toi! Juste pas toi! C'est quoi ce bordel? Ce Super Saiyan, man! Base du combat! Certains ennemis possèdent des attaques puissantes qui infligent d'énormes dégâts et peuvent vous faire tomber à la renverse. Lorsqu'un ennemi s'apprête à lancer une attaque puissante, sa barre de santé clignote en rouge. Réalisez une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur R1 en vous déplaçant latéralement ou vers l'arrière. Alright! Oh my god! Moi qui voulais l'attaquer. Attends. Wow! Yo! Oh voilà! Il y avait juste des zombies autour de là. Méchant! Faut que je te tue avant que tu fasses une autre attaque! Oh my god! Wow! Méchant! Tombe à terre, bro! Oh, t'abuses, toi! Boîte de conserve, trophée infecté. Je sais pas pourquoi j'ai ce trophée-là, mais bon. Tout ce que je veux, c'est aller faire un petit dodo! J'ai travaillé toute la journée! Come on, j'ai fait mon 8 heures de la journée! Wow! Voyons! En plus, je suis juste payé 2$ de l'heure dans ce monde maudit! Attendez. Chant! Ouh! C'était moi une. Oh yo, donnez-moi tout ce que vous avez, man. Vous avez rien sur vous? Du tissu? Je crois pas que tu devrais utiliser le tissu comme de ce bonhomme-là. Tu vas t'affecter à toi-même. C'est pas bonne chose, ça. Ok. Voilà. C'est seulement nous étions deux. Où est mon partenaire, man? Attends. Oh! Attends, ramasser! Voilà, pelle cassée! Oh, merci pour cette ferraille! Alors, donnez-moi une seconde. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre ces armes comme dans mon... dans mes slots, là, comme... Attendez une seconde. Échanger? Ah, je suis obligé d'échanger. Attends, c'est quoi échanger? What the hell? Ok, non, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est quoi, 3? Oh! Oui, regardez en bas à gauche, là. Oh! Non. Ok! Non, j'ai un slot pour les armes et je peux les changer. Comme ça! Ok, je comprends ce qui se passe. Moi qui croyais... What the hell? Wow! Moi qui croyais que je pouvais mettre mes armes dans des slots différents. C'est pour ça que c'était barré. Ok, c'est l'heure d'aller faire dodo. Zone sécurisée. Vous venez de débrouiller la première zone sécurisée et agrandissant par la même occasion votre réseau de points de réapparition. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV, ce qui garantit votre sécurité pendant la nuit. Nice! De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit, ainsi qu'à la planque d'Aiden, où vous pourrez placer les objets dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Ah, oh, d'accord, tranquille, relax. Donc, planque du joueur. On va faire ça comme ça. Donc, je peux... C'est quoi ces bonus? What the hell? Mais bon, cela veut dire que je peux prendre comme ça et le déplacer là. Et j'ai 4 slots seulement ou j'en ai plus? Donnez-moi une seconde. Ah, ok, j'en ai plus. Ok, c'est bon. Non, pour l'instant, je vais garder tous mes trucs avec moi. Why not? Je sais pas si c'est une bonne chose là, mais bon. Quoi d'autre? Il y a plus rien à faire ici, je pense. Hein? Alors, on va aller faire dodo. Attends, jusqu'au matin. Comment tu peux dormir chez un inconnu comme ça?
C'est impossible, man! Surtout quand il y a des tonnes de zombies à gauche à droite, Hayden! Hayden, bébé Hayden! On court ou quoi? Mais genre, maintenant? Non, quand on sera vieux, maintenant, Heidi! On a besoin de matos! Tout est prêt! C'est tellement calme. Où sont-ils tous? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. T'en fais pas, moi aussi j'ai peur, ne me regarde pas comme ça. Chut, tout va bien se passer. Dans un endroit glauque comme ça? Yo, faites un peu le ménage, man! Attends ici. Tu vas m'apporter du refri au poulet? Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346? On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur! Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Tu devrais avoir peur. Fais ce que je te dis. Nous ne sommes que des nombres pour eux. Des sujets d'expérimentation. Tu vois, petite sœur? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Ah, Heidi! Pas lui, non! Mia! Hayden! Docteur Walls, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Tu veux me transformer en zombie ou quoi? Ok, là je comprends pourquoi je veux aller voir ce mec, c'est pour lui. Au feu! Y'a le feu dans le labo! Da-da-dan, da-da-da-dan. T'as bien fait dodo, mon frère? Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. Je me rappelle plus c'est quoi les chiffres. Ok, ouais, 140, 200. Une chance qu'on me donne ces options parce que je sais qu'il y a un 200. C'est Hayden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Hayden veut devenir youtubeur? Hayden? Oui. Je devais vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Waltz, pèlerin? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Hayden. Tu veux savoir pourquoi Waltz faisait ses expériences sur vous tous? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où et quand? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. Eh ben, je vois. J'imagine que tu fais pas ça gratuitement. Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors.
Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Hey ! Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Aiden. C'est en vie, ça veut dire qu'elle sait parler et tout ça et qu'elle ne mange pas des humains, hein, parce que... ouais, bouger ne veut pas dire être en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Zombie? Non? Ok, alright. Mais bon, ok, c'est, j'ai compris, je suis Captain America en gros, hein? Let's go, on y va! C'est pour ça que j'ai beaucoup d'endurance, que je peux sauter comme un fou et que je peux faire... Oh, attendez une seconde. Est-ce que je peux sauter jusqu'en bas sans me faire mal? Ça me tente de tenter le coup parce que je viens de me rendre compte que je suis Superman, voyons donc. Wapadaï! Est-ce que j'ai arrivé à destination? Oh my god, 200 mètres, bro! Wow! Yeah, voilà, atterrisser sur des amortisseurs pour éviter de subir des dégâts de chute. Comme ça, là? Wouhouhou! Voilà, voilà, moi je ferais jamais ça dans la vraie vie, même s'il y avait des zombies. Bon, ça dépend des situations, en fin de compte. Allez, attendez, y a-t-il un moyen de nager plus rapido, presto? Peut-être en plongeant? Non! Et je sais pas pourquoi il y a une musique intense. Est-ce qu'il y a des zombies autour de moi? Non, il y a personne, voyons donc. Il est arrivé à destination. 100 mètres. Est-ce que vous les voyez, les amis? Allô? C'est Aiden. Tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée, la seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Bah dans les jeux vidéo et tout ça là, ils aiment ça mettre du suspense comme « Allez, viens vite, il faut faire de quoi ?» Et on demande pourquoi? Vite. Et il nous répond pas. Et quand on arrive, on voit qu'est-ce qui se passe. Il aurait pu nous dire au téléphone qu'est-ce qui se passe, ou même à la radio, mais il veut rien savoir. Mais bon, vous savez, les zombies comme ça, ça sert à rien de les tuer maintenant. Ben... c'est pas que ça sert à rien, mais je peux juste les éviter. Je peux tout simplement aller vers l'objectif. C'est pas comme si je suis obligé de les tuer maintenant. Tranquille. Wow! Mais le jour où j'aurai besoin de les tuer par la vlog, vous pouvez être sûr que je vais le faire. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je suis au bon endroit? À moins que... faut que je passe par là? Vous croyez? Oh, par là! Non, c'est pas par là parce que je vois là, on dirait qu'il faut aller à... Oh, oh boy, vous n'êtes pas sérieux. Rencontrer des individus dans les tunnels du métro. Parfait. Wouah! J'entre dans les tunnels. Hé, hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt, j'arrive. Wouah, vous avez tout le sang, bro? Tranquille, relax. C'est quand que je peux avoir une lampe torche, les amis? Oh! Hey, y'a quelqu'un. C'est rempli de sang, man. Oh, c'est nasty, bro. Oh, merde. Ça a pas l'air bon. Ah, est-ce que je cours comme un fou maintenant, man? Regardez ça. Je vois rien. Oh, dégueulasse! Oh, mon Dieu. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, mon frère. Oh merde, un rapace. Non, pas lui. Il a checké si j'avais des morsures. Oh le maudit, il avait bloqué la voie, man. Oh. Tu vas bien? Ce fumier m'a mordu.
Un rapace! Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. Profite à la lumière. Emilia. Ah, plus tard. Faut qu'on file. Résiste. Ça va passer. Comment ça va passer? Reste fort. Parce que... je suis Captain America? Te voilà. Pour te chercher. Et que dis-tu de celui-là? Il a l'air mort. Il l'a pas sur lui. Allons-y. L'informateur s'est fait tuer ou quoi? Je n'ai pas la clé, je le jure. Yo, j'ai pas de cheveux, vous avez vu mon ombre? J'ai enfin une lampe torche, enfin! Ok, comment on l'utilise? Telle est la question. Bordel de merde! Vraiment? Je n'ai pas la clé, je l'ai détruite! Yo, ça m'a pris du temps pour l'avoir! Le patron sera capable de l'amener à son vrai tour. Hey, résiste un peu, je suis en train de chercher des items pour venir te sauver! Par où dois-je aller? Non! Arrêtez de le faire souffrir! Ok. Pouf! Ça se voyait trop là, mais bon. Ok, relax. Attends, je vais sortir quelque chose de fou là. Oh ouais! Oh nice! Sautez sur une barre fixe avec R1 pour vous accrocher. Avancez avec T1. Ok, d'accord. Tranquille. Bonjour! N'oubliez pas, je suis Superman, bro! Derrière. Quoi, j'ai envie de me transformer, c'est ça? Oh, y a quoi là-dedans? Oh, cigarette, c'est l'heure de fumer! Yeah! Chaussures du dimanche! Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, là, mais bon. Je sais pas de quoi tu parles, bro! What? Je reviens avec le patron. Eh ben, je vais venir à toi. Oh, 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 il y a des tables là-bas, bro. Oh, oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cinématique? Je vais venir te sauver. Tu caches notre clé, gamin! Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Rataille! J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y! Oh, oh, oh! Yo, tu crois que je peux pas me défendre? Une chance que t'es seul, man! Maintenez L1 pour bloquer une attaque ennemie. Bloquer au dernier moment pour réaliser une parade parfaite. Les parades parfaites désorientent l'ennemi, ce qui le rend vulnérable pendant un court instant. Alright! Attends, réalisez un coup de pied avec voltige. Attends, appuyez longuement sur L1 au dernier moment pour réaliser une parade parfaite. What the? Attends, comment? Je peux pas te faire un coup de pied? Attends, j'essaie de faire un coup de pied là, mais ça marche pas trop. Ok, attendez. J'ai pas peur de toi. Bon, méchant. Oh, attends, tranquille. BAM! BAM! Wouah! Méchant! 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 Reste à terre! Vous m'avez laissé le temps de le fouiller, voyons donc! Prêt ou pas, j'arrive! C'est ton poteau qui est venu en premier, bro? Oh! Est-ce que tu viens de m'insulter, bro? Je suis sérieux. Moi aussi, regardez ça. Pour toi. Oh!
Bye bye ton cerveau, en tout cas, t'avais un QI de 70 et toi de 60. Nanananana. Yo, je suis en train de faire quoi? Ah, je peux plus bouger. Je voulais vous montrer c'était quoi le teabag professionnel là, mais bon. Vous avez amélioré votre maîtrise de combat et obtenu votre premier point de compétence de combat. Il est maintenant temps de débloquer votre première compétence de combat. Nice! Yo, ici j'ai des cheveux, mais tout à l'heure avec mon ombrage, on dirait que j'étais chauve, hein? Coup de pied avec voltige permet de donner un coup de pied en l'air au-dessus d'un obstacle ou d'un ennemi désorienté. Passez sur l'icône de la compétence pour en lire la description. Maintenez à présent X pour acheter la compétence. Acheter, pas débloquer. Acheter. Donc, sauter par-dessus des ennemis désorientés et enchaîner avec un coup de pied. Oh! Ça, c'est mon dropkick, les amis! Courir vers un ennemi désorienté et appuyer sur R1 pour effectuer voltige. Appuyer sur R2 pendant voltige pour effectuer un coup de pied avec voltige sur un ennemi à proximité. Ok, je peux pas utiliser ça sur l'ennemi qui est devant moi. Je peux utiliser ça sur un autre ennemi. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais là, mais bon. Wow! Qu'est-ce que j'ai fait avec ce cash? C'est pas comme si je peux acheter de la bonne bouffe, non? À moins que les gens utilisent vraiment ce cash pour faire du truc. Je sais pas, mais bon, en tout cas. Là-bas, y a rien du tout. Ici, y a quelque chose de vert, je sais pas ce quoi. Du tissu. Ça, c'est bon. On n'a pas le temps. I got you, I got you. C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvée. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au Fishaï. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Waltz? Est-ce que Waltz est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Cours! On ira ensemble. Prends ça. A gun! Allons-y. Wouh! T'aurais dû t'en servir, mon frère! C'est quoi ce bordel? Voilà! Notre brebis est carré! Mais il n'est pas sain! Ouais, on peut réparer ça. Ouais, tue-le! Oh oh oh! C'est ce que tu crois! Combat de parcours! Servez-vous de la voltige pour avoir une meilleure mobilité durant les combats! Foncez sur un obstacle ou un ennemi désorienté et appuyez longuement sur R1 pour voltiger au-dessus de lui! Appuyez sur R2 en voltigeant pour réaliser un coup de pied avec voltige et frapper un autre ennemi qui se trouve en face à vous! C'est la base du combat de parcours! Plus tard, vous apprendrez de nouvelles compétences qui viendront s'ajouter à votre éventail de capacités! Let's go! Ok. Oh! Et là! What? Ah! T'étais trop loin, frère! Ok, attendez. On va retenter le coup. Oh my god! What the hell? Attendez. Oh! Et attends, sur toi maintenant! Oh! Moi aussi, je vais te donner! Attendez. Attends. C'est quoi ce R1? J'avais vu que je pouvais bouger et faire R1 ou quelque chose là? Mais bon, attendez. Mais genre. Oh, je l'ai touché! Really? What the hell? Oh mon dieu! On dirait que mon coup de pied est plus puissant que mon arme, hein? J'ai une arme tranchante et ça fait plus mal. Ça fait moins mal que mon coup de pied, je veux dire. Mais genre. Bonne nuit, mon ami, oui! Ok, yo, yo, vous voulez vous battre encore, guys? Yo, vous abusez, man! Attendez. Tranquille. Oh! Bonne nuit! Merci, boss! Attends, tranquille. Bah! Oh, non, 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 je vous laisse encore une fois, là, mais bon. Bah! Tranquille. Oh! Oh, ok, non, on dirait que j'ai plus le timing, hein. Attends, je vais changer d'arme, je vais prendre ça, man. Bonne nuit. Oh my god. Ok, non, lui, c'est un boss. Ben, c'est pas un boss, mais... il est fort, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous a...
C'est Walt? T'es sûr? Le bonhomme qui crie comme ça? Si c'est Walt, hey, je vais rester là et le tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Barrons-nous vite d'ici. Trahir, tu es là. Est-ce que tu as ma clé? C'est Walt. Il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde! Va aux conduits d'évacuation! Vite! Par ici! Vas-y en premier! Ah! Il va fermer le conduit! Regardez ça! Je savais! Qu'est-ce que tu fais? Waltz peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi! Quoi? Laisse-moi sortir! Vijay, Lawan! Allez! Voilà le traître! Salut, Dylan. Hi, Dylan. Hé, les gars. Laisse-le partir. Tu le cherches depuis longtemps, mon frère. Pourquoi tu le laisses faire? Yo, pète la grille! Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? La clé ne t'appartient pas. Tu peux pas... Où est-ce que c'est? Ici. Oh non, 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 pourquoi t'as dit ça? C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races. Rares. Je les aimais tendrement. Un jour, son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui. Puis il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait... doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Il va ouvrir son ventre! Il y a quelqu'un. Dans le conduit! Chope-le! Wow! Oh mon dieu! T'aurais jamais dû dire que c'est là-dedans! Oh, je savais! Ça fout furieux! Yo, ok, moi je m'enfuis! Objectif mis à jour? Wow! Oh my god! Oh my god, bro! Non! Je peux sentir la souffrance du doute là, de l'informateur! Oh my god! Ça c'est insane! Faut que je nage par là. Vous n'êtes pas sérieux. Et j'espère qu'il n'y a pas de zombies aquatiques. Rendez-vous à Ville d'Or. Ah, mais oubliez pas, je suis Captain America. Je peux retenir mon souffle super longtemps, hein. Oh my god, man. Oh, vous avez vu? Il a fait un trou dans son ventre. Oh, juste à y penser encore là, ça me donne des frissons. Merde! Ça fait mal. Je sais même pas où je suis, mais tout ce que je veux, c'est m'enfuir, man. Pas comme s'il y a des items secrets par-ci par-là. En tout cas, je pense pas à là, mais bon. Let's go, on y va. On dirait que je suis dans le temple aquatique de The Legends of Zelda. The Legend of Zelda, hein? Ben, en ce moment, c'est The Legends, puisqu'il y a plusieurs jeux. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Laissez-moi partir! J'ai obtenu tellement de trophées, oui, vers l'inconnu. Ouh! J'ai réussi à m'enfuir, je pense. Je suis pas sûr à 100%, mais... J'ai un petit peu peur, vous avez... Oh, quand... Il a pris le couteau. Il ouvre le ventre. Oh! Yo, déjà quand j'ai une petite blessure, je touche, là, j'ai mal, là. Imaginez! J'arrête pas de penser à ça, là. Une chance que j'ai pas vu la scène, comme... de face, que j'ai pas vu tout le gore.
qui c'est, bordel? Il n'a pas de biomarqueur. Un quoi? Oh, putain! Putain, il se transforme! Tue-le! Vite! Non! Pendez-le! Regardons cet enfoiré crevé! Je comprends ces habitants. Bon sang, laisse-le tranquille. Oh, nice. Je les comprends. Hakon, il est sur le point de se transformer. Je pensais que c'était une crise d'éternuement. Mais c'est un étranger. Il doit être tué. Il est avec moi, c'est compris. Je t'avais pas dit d'aller nulle part sans moi. Je te l'avais pas dit, putain. Quitte-toi, putain. Il faut mettre en pièce. Chut, pas maintenant. Pendant la soirée, c'est comme... Yo, pour vrai, t'es qui, toi? Laissez les lutteurs. Qui c'est, bordel? Vas-y, dépêche-toi. Amène-les ici. Quoi, j'allais foncer manger la femme ou quoi? Vous avez vu? J'étais en enragé, j'étais comme... Première dose. Oh non, non, oh my god, non, j'ai pas pris de drogue, j'espère. Il bouge. Hakon, tue-le, Hakon. Tue-le avant que je le fasse pour toi. Hé, Molo, du calme. Respire. On dirait qu'il s'est pas transformé. On dirait? Hakon, je veux pas ça ici. Tu nous es revenu. Cligne des yeux si tu comprends. Putain, ma tête! Ah. T'étais sur le point de te transformer, mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir. Là-bas t'a aidé aussi, bien sûr. T'es vivant. Que les choses restent ainsi. Le gars a failli tous nous tuer et tu lui fais la conversation? Hé, hey, les filles, du calme. Elles ont peur. T'as failli détruire leur atelier. Faut qu'on se bouge. Tu peux marcher? Mais... je comprends pas. Où est-ce qu'on va? Dans un endroit sûr. Il faut que j'aille au fisheye. Le fisheye? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher. C'est quoi ce bordel? Un biomarqueur? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir. C'est ton ticket pour la ville. Sans ça... sortir de la lumière est une sorte de loterie. Tu sais pas quand tu vas te transformer. T'as besoin d'un biomarqueur. Et je sais où en trouver un. Allez. Hakon, il se transforme à nouveau. Du calme. Tout est sous contrôle. Ça va, tout ira bien. T'es faible. Prends une minute. Bois ça. Sérieusement? C'est quoi la suite? Lui faire couler un bain? Ça me semble plutôt confortable, mesdames. Peut-être la prochaine fois. Va te faire voir, Hakon. Elle m'adore. J'ai remarqué. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Apprenons à nous connaître et découvrons-le. Vas-y en premier. T'as trouvé ça où? Ça te concerne pas. T'es prudent. C'est bien, tu vivras plus longtemps. T'es un vrai pèlerin? Où t'as volé ce badge? Je suis un... j'étais... un pèlerin. Était? Une heure avant le crépuscule. Je suis sérieuse, Hakon. Il reste pas ici cette nuit. Tiens. Ton arme et ta radio. Même un pèlerin pourrait pas s'en sortir sans. Allez, on y va. What the... Ok, j'ai totalement compris qui tu es, j'ai totalement compris ce que tu veux, j'ai totalement compris pourquoi tu m'as sauvé. Ouais, on sait quoi.
On va prendre une petite pause. Alors les chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, ceci n'est que le début du jeu. Mais plus tard là, ça va devenir fou, c'est sûr à 100%. Alors, voulez-vous que je continue le jeu en vidéo ou on passe à autre chose? Dites-le-moi et on va voir ce qu'on va faire. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce à cette qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Prata, dès que vous dites moi, tu as fait de support ton amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!